Quand je fais des ailes de poulet comme ça, il ne reste plus rien. Alors les amis, pour commencer ici, dans la poêle, j'ai déjà une cuillère à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai fait un caramel, j'ai laissé fondre le sucre. Et maintenant, j'ajoute les ailes de poulet. Ici, j'ai 800 g d'ailes de poulet. Nous allons maintenant faire frire ces ailes. Je vais en mettre autant que je peux en mettre dans ma poêle à frire, c'est bon? Maintenant, nous allons les remuer. Ici, la viande a déjà commencé à dorer. Ensuite, on retourne la viande. On la retourne de l'autre côté, d'accord? Elle n'est pas encore dorée. Pour avoir une bonne prise sur le caramel. Nous allons maintenant assaisonner ce poulet. J'ai ici 2 gousses d'ail hachées, du sel à volonté. Il y a aussi du paprika et du poivre. Ajoutons-les ici et remuons encore. Regardez comme c'est impressionnant, n'est-ce pas? Le simple fait de le regarder vous donne envie de courir à la cuisine et de le faire, n'est-ce pas? Le secret, c'est de laisser brunir le poulet, les ailes de poulet. Les amis, regardez comme c'est devenu. C'est de plus en plus beau, n'est-ce pas? Pour ceux qui aiment les ailes de poulet, c'est une recette merveilleuse. Je vais maintenant ajouter une cuillère à soupe de sauce soja et laisser frire pendant environ 3 minutes. Il faut toujours remuer. L'aile a bien bruni. Le côté ressemble à... Je vais la retourner pour faire dorer l'autre côté. Regardez les amis. Je vais maintenant ajouter 250 ml de bière. Regardez. Et nous allons remuer encore une fois. Les amis, c'est remarquable, n'est-ce pas? C'est très bon. Nous allons maintenant laisser cuire pendant 20 minutes. Je vais mettre un couvercle dessus et nous allons attendre maintenant. Voilà, nos ailes de poulet sont prêtes. Je vais en prendre une ici. Je vais la poser sur l'assiette. Avec cette sauce, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Je vais la mettre ici et nos poulets sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à déguster.